accueillons avec joie aujourd'hui la préparation au mariage, c'est-à-dire nous avons avec nous 12 fiancés, 12 couples de fiancés qui viennent approfondir le sens du mariage chrétien, du mariage à l'Église. Donc nous prierons particulièrement pour eux aujourd'hui. Et puisque nous allons accueillir cette joie de Dieu, cette joie qui vient de Dieu, je vous propose que nous puissions nous saluer déjà les uns les autres, peut-être en disant, voilà, je m'appelle un tel si vous ne vous connaissez pas, mais voilà, je vous invite à vous saluer avant de commencer cette messe, priez avec l'aide des jeunes collégiens et lycéens, nous remercions de leur présence et leur instrument de musique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrer cette messe en reconnaissant, comme la Samaritaine, que nous avons besoin sans cesse d'être libérés de nos fautes. Ensemble, confessons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que dans mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert,
le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meriba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? Parole du Seigneur. Et l'espérance ne déçoit pas.
puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète.
Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils le doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu ?» ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Moi, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville furent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Notre communauté paroissiale a la joie d'accueillir pendant cette messe les fiancés dont nous allons célébrer les mariages au mois de mai, au mois de juin, cet été, jusqu'en septembre. Nous avons commencé cette matinée de récollection en méditant sur ce passage de la Samaritaine, en voyant quel était le lien entre cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine et puis ce grand événement de leur mariage. Alors nous allons peut-être reprendre avec vous, au fond, le trésor qui nous est communiqué dans ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Auparavant, je voudrais simplement peut-être vous rappeler quel est le parcours que nous avons fait cette année avec les fiancés de la paroisse. Nous avons voulu leur faire faire un chemin qui part d'un désir
d'être béni pour le mariage. Mon Père, nous souhaitons que l'Église bénisse notre mariage. Nous sommes partis de ce désir pour approcher une autre réalité plus intérieure qui est le sacrement du mariage. Un chemin qui part de la bénédiction et qui va jusqu'à la compréhension du sacrement du mariage. Alors vous me direz, mais comment ont-ils fait ? Eh bien, nous avons proposé le parcours Alpha. Je voudrais saluer leur courage. 12 rencontres le mardi soir, plus un week-end à Paray-le-Monial. Et maintenant, une préparation au mariage avec ce dimanche, ici, puis la préparation des cérémonies avec le prêtre référent. Nous sommes très heureux, nous, paroisses, de pouvoir chaque année vous accompagner et de vous permettre de passer justement d'un sentiment un peu diffus, mais un désir profond d'un mariage religieux à ce sacrement que beaucoup ici ont déjà échangé. Frères et sœurs, que nous dit ce dialogue de Jésus et de la Samaritaine pour vous qui vous préparez ou pour vous qui vous êtes déjà donné ce sacrement du mariage? Nous voyons cette Samaritaine qui est une femme triste, une femme qui a eu une vie peut-être déjà tumultueuse avec ses 5 maris, une femme qui fait quelque chose d'assez ordinaire, d'aller chercher de l'eau. Et voilà qu'un homme s'approche et lui demande de l'eau à boire. Nous voyons dans le magnifique dialogue de Jésus et de la Samaritaine, et bien que cette Samaritaine, au fond, cela peut être chacun d'entre nous dans notre vie, à un moment où nous étions fatigués, à un moment où nous étions peut-être, d'une façon ou d'une autre, éloignés de Dieu, à un moment donné où notre âme pouvait être obscurcie par telle ou telle déviation. Voilà Jésus qui s'approche de nous, qui s'approche de la Samaritaine que nous avons peut-être été dans notre vie. Jésus qui ne lâche pas le morceau et qui se propose de remettre debout la Samaritaine. Cette Samaritaine va faire un chemin magnifique. Elle va tout simplement, au contact de Jésus, reconnaître finalement sa soif d'amour, qui est aussi la nôtre, le fait d'avoir eu autant de maris, est simplement le signe de cette soif que nous avons dans notre cœur, cette soif d'un absolu, cet absolu qu'elle ne connaissait pas, mais cet absolu qui va se révéler à elle, cet absolu qui est Jésus. Au cœur de cet évangile, c'est la révélation que notre cœur a soif d'aimer et d'être aimé. Que cette soif d'aimer et d'être aimé ne trouvera sa réponse que dans l'expérience magnifique de Dieu. Cette expérience d'être puissamment aimé comme nous ne pouvons pas l'imaginer par le Christ, notre Seigneur, celui qui vient nous sauver, celui qui veut sauver chacun d'entre nous. Au-delà du sacrement du mariage, la Samaritaine nous apprend la joie d'être approché du Christ, la joie de pouvoir simplement formuler notre péché, la joie d'être remis debout, d'être guéri. Nous le voyons, cette femme, la Samaritaine, devient missionnaire. Par un débordement de joie, elle va devenir apôtre, elle va communiquer à tout son village cette joie d'avoir fait une expérience de Dieu. Alors, frères et sœurs, quel est le lien entre cette Samaritaine, ce dialogue magnifique, et le sacrement du mariage? C'est ce que nous avons évoqué ce matin. Le sacrement du mariage, c'est Dieu qui s'invite au cœur de ce qu'il y a de plus beau, au cœur de l'amour humain, de l'amour humain. L'amour humain est appelé à former une alliance. Une alliance solide qui rappelle la solidité de votre oui, mais aussi ce oui qui est le oui de Dieu. Et le sacrement du mariage va être ce double oui, votre oui, mais aussi le oui du Christ qui s'invite au moment où le prêtre va être témoin du sacrement et donner la bénédiction nuptiale.
Quel est le lien donc entre ce sacrement où le Christ s'invite à l'intérieur et la Samaritaine? Eh bien, c'est cette eau vive, cette source. Nous l'avons entendu ce matin, vos conjoints ne pourront vous apporter que ce qu'ils peuvent vous apporter, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup. Le Christ viendra vous apporter ce qui va nourrir votre amour, cette eau vive, cette eau pure, cette présence même du Christ. Nous touchons avec la Samaritaine, au fond, le cœur même du sacrement du mariage. Cette eau vive vient du Christ. Frères et sœurs, vous qui êtes mariés parmi vous, peut-être que vous pouvez vous associer à cette préparation au mariage, à cette prière, pour vous dire, pour dire, lui, Seigneur, donne-moi de nouveau cette eau vive, pour que ce sacrement du mariage puisse avoir l'éclat que tu souhaites jusqu'au bout. Et vous, fiancés, puissiez-vous aussi dire dans votre prière aujourd'hui, mais oui, nous voulons que notre amour soit grand, soit large, dépasse les frontières humaines, et ainsi nous voulons que le Christ puisse venir le nourrir de l'intérieur. Frères et sœurs, à travers la Samaritaine, c'est sans cesse nous-mêmes qui sommes chacun d'entre nous, qui sommes invités tout simplement à reconnaître la nécessité du Christ dans notre vie. Sans le Christ, notre vie s'attiédit, notre vie devient tiède, molle. L'eau du Christ, cette eau vive du Christ, cette eau qui sort du côté ouvert du Christ, cette eau personne d'autre ne peut le donner, ne peut la donner que le Christ lui-même. Chers fiancés, nous vous accompagnons pour que vous puissiez profondément goûter à cet amour qui vient de Dieu et qui s'invite dans votre mariage. Ensemble, nous redisons notre prière, notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et était enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons particulièrement prier à présent pour les fiancés que j'invite à s'approcher. La communauté paroissiale va prier pour vous. J'invite aussi Philippe et Mireille à nous rejoindre, ainsi que Alexandre et Marie-Chantal qui ont accompagné les fiancés cette année. Seigneur, nous te confions les fiancés de la paroisse rassemblés aujourd'hui pour préparer leur mariage. Seigneur, nous te les confions pour qu'ils puissent approfondir la puissance du sacrement du mariage. Seigneur, qu'ils puissent découvrir ô combien tu les aimes et
que tu veux rejoindre leur désir de se donner de façon totale et définitive. Seigneur, viens les bénir, chacun, personnellement. Viens leur donner la joie de te rencontrer, de te connaître. Viens leur donner aussi le goût de la prière, le goût de la parole de Dieu, le goût des sacrements, du baptême, de la confirmation, de la confession, de la première communion. Seigneur, viens maintenant avec toute la communauté paroissiale, viens répandre sur eux ton Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.